Bienvenue à la clinique d'arthroplastie de l'hôpital d'Ottawa. L'objectif aujourd'hui est de vous renseigner sur le remplacement du genou. Nous examinerons l'anatomie du genou et la façon dont l'arthrite peut l'endommager. Nous vous expliquerons en quoi consiste le remplacement total du genou et le remplacement partiel du genou et ce à quoi vous pouvez vous attendre pendant votre séjour à l'hôpital. Nous vous montrerons l'équipement que vous devez vous procurer avant la chirurgie pour pouvoir retourner chez vous en toute sécurité. Nous vous enseignerons également certains exercices que vous pouvez faire dès maintenant pour vous préparer à l'opération. Nous examinerons le plan de physiothérapie prévu pour votre séjour à l'hôpital et votre retour à la maison et, plus important encore, nous nous assurerons que vous avez fait tous les préparatifs nécessaires pour pouvoir retourner à la maison après le remplacement de votre genou. Le genou est une articulation qui permet différents mouvements entre la cuisse et le bas de la jambe. L'os de la cuisse est appelé fémur et celui du bas de la jambe est appelé tibia. La rotule est le troisième os du genou. Elle contribue aux mouvements de flexion et d'extension du genou qui sont pliés et dépliés le genou. Les extrémités des os sont recouvertes de cartilage lisse. Ce cartilage protège les os et permet un mouvement fluide entre eux. Entre les deux os se trouvent les ménisques qui fonctionnent comme des amortisseurs. De solides bandes appelées ligaments maintiennent le genou en place. De grands groupes de muscles contrôlent le mouvement du genou. Les muscles quadriceps se trouvent sur le devant de la cuisse et contribuent à déplier le genou. Les muscles ischio-jambiers se trouvent sur le derrière de la cuisse et contribuent à plier le genou. L'arthrite provoque l'usure du genou. Le cartilage qui recouvre l'os s'amincit et s'effrite. Lorsqu'il n'y a plus de cartilage pour les protéger, les extrémités des os entrent en contact direct. Ils se frottent donc l'un sur l'autre pendant que vous marchez, ce qui cause de la douleur et de l'enflure. L'arthrite peut aussi causer la formation d'ostéophytes, c'est-à-dire des épines osseuses. La douleur que vous ressentez dans le genou lorsque vous êtes debout pousse l'os à grandir à son extrémité pour répartir la pression. Cette croissance est appelée ostéophyte. Un ostéophyte cause de la douleur lorsque vous bougez le genou et peut même vous empêcher de le bouger. Voici une radiographie d'un genou en santé à droite et d'un genou atteint d'arthrite à gauche. Vous remarquerez qu'il y a un espace noir entre les os du genou en santé. Cet espace n'est pas un vide, c'est votre cartilage. Le cartilage n'est pas visible sur une radiographie, mais la présence de cet espace noir indique que l'articulation du genou dispose d'une grande quantité de cartilage sain. Sur la radiographie de gauche, il n'y a aucun espace entre les os. Cela indique que le cartilage a disparu par usure, ce qui amène les os à se frotter l'un contre l'autre. Pendant le remplacement d'un genou, le cartilage et les os endommagés sont retirés et remplacés par des pièces de métal et de plastique. Le chirurgien choisira des pièces d'une taille et d'une longueur appropriées à votre anatomie. Votre genou sera remplacé par deux parties de métal qui seront installées à l'extrémité du fémur et du tibia et reliées par une partie en plastique. Si le chirurgien constate pendant l'intervention que la surface intérieure de la rotule est usée, il remplacera la partie usée par un petit bouton en plastique. Si vous passez au poste de sécurité d'un aéroport, votre genou déclenchera le détecteur de métal. Dites aux agents de sécurité que vous avez une prothèse de genou. Ils vous demanderont d'entrer dans le détecteur corporel. Vous n'avez pas besoin d'une lettre ou d'une carte de votre chirurgien. Vous ne sentirez pas le poids des pièces qui remplacent votre genou. Vous n'aurez pas l'impression qu'elles deviennent chaudes ou froides en cas de conditions climatiques extrêmes.
Votre corps les maintiendra à une température corporelle normale. Les parties qui vont sur les os sont faites en cobalt chrome et en titane. La partie qui les relie et la rotule sont faites d'un plastique appelé polyéthylène. Ces pièces sont tenues en place à l'aide d'un ciment. Voici une radiographie du remplacement total d'un genou. Les parties en métal couvrent complètement l'extrémité des os. La partie en plastique n'est pas visible sur la radiographie. Les petits cercles sur le devant du genou dans l'image de droite sont des agrafes utilisées pour fermer l'incision. Voici maintenant une radiographie du remplacement partiel d'un genou. Il est dit partiel lorsque seulement la moitié du genou doit être remplacée. Vous pouvez voir que les parties de la prothèse sont plus petites et le cartilage sain du côté gauche du genou dans l'image de gauche. Voici une image qui montre un remplacement total d'un genou à droite et un remplacement partiel d'un genou à gauche. Une arthroplastie fémoro-rotulienne consiste à remplacer seulement le lien entre la cuisse, c'est-à-dire le fémur, et la rotule. Avant la chirurgie, vous aurez un rendez-vous à l'unité de préadmission. Ce rendez-vous médical aura lieu par téléphone ou en personne et pourra durer jusqu'à 2 heures. Il est possible que vous deviez passer des tests médicaux comme des analyses de sang ou des radiographies. Vous rencontrerez une infirmière ou un anesthésiologiste pour discuter de vos médicaments et de vos problèmes de santé. Vous discuterez aussi du plan pour la chirurgie et du type d'anesthésie. Apportez à ce rendez-vous tous vos médicaments ainsi que les suppléments et les vitamines que vous prenez dans leur contenant d'origine, le cas échéant. Nous pourrons modifier votre médication au besoin. N'hésitez pas à poser des questions pendant ce rendez-vous. C'est le moment idéal pour vous renseigner sur votre santé et votre chirurgie. Pendant la pandémie de COVID-19, le rendez-vous de préadmission pourrait avoir lieu par voie virtuelle. Vous devez avoir accès à MyChart pour participer à un rendez-vous virtuel. Si vous n'avez pas de compte MyChart, appelez l'hôpital d'Ottawa pour en obtenir un. Vous aurez de la difficulté à vous habiller après la chirurgie. Apportez à l'hôpital des vêtements amples, munis d'un élastique à la taille et faits dans un tissu extensible. Vous vous sentirez plus à l'aise ainsi. Vous devez porter des chaussures antidérapantes pour marcher dans l'hôpital. Tous vos articles de toilette doivent être non parfumés. Vous pouvez apporter un cahier pour noter les questions que vous souhaitez poser à votre équipe de soins pendant votre séjour. Placez ces objets dans un sac et ajoutez les articles dont vous aurez besoin pour passer la nuit à l'hôpital, même si vous retournerez chez vous le jour de la chirurgie. Si vous retournez chez vous le même jour ou si la chirurgie a lieu à l'hôpital du district de Kentville, apportez une aide à la marche à l'hôpital. Si vous restez une nuit à l'hôpital d'Ottawa, vous n'avez pas besoin d'en apporter une. Vous pourrez utiliser l'équipement de l'hôpital. Lavez votre genou de la façon expliquée par le chirurgien. Vous devrez aussi restreindre les liquides et les aliments à compter de la veille de la chirurgie selon les consignes que vous recevrez. Le jour de la chirurgie, arrivez à l'hôpital à l'heure prévue. Vous rencontrerez le chirurgien avant l'intervention. Nous vous donnerons un médicament pour vous détendre et vous endormir. La chirurgie durera de 60 à 70 minutes. Si vous restez une nuit à l'hôpital après l'opération, le personnel vous amènera d'abord dans une salle de réveil, puis dans une chambre. Si vous retournez à la maison le même jour, vous rencontrerez un physiothérapeute dans la salle de réveil avant de retourner chez vous. Après la chirurgie, vous vous réveillerez dans une salle de réveil. Vous aurez un large pansement de laine jusqu'à la cheville. Il y aura aussi un cathéter intraveineux à votre poignet et un autre dans l'articulation du genou pour administrer un antidouleur directement dans le genou. Il est important de savoir ce à quoi vous attendre comme étant normal après la chirurgie.
Vous auriez une incision de 20 cm sur le devant du genou qui sera fermée par des agrafes. Vous ne la verrez pas parce qu'elle sera recouverte d'un large pansement. Il est important de retirer le pansement au moment prévu. Examinez l'incision chaque jour après le retrait du pansement pour surveiller sa guérison. Ne mettez pas d'onguent ou de lotion sur l'incision. Le remplacement d'un genou peut causer beaucoup d'ecchymose sur la cuisse et autour du genou. L'effet de la gravité a tendance à faire étendre les bleus vers le bas de la jambe et jusqu'au pied. Ils disparaîtront petit à petit sans aucun traitement. Il est normal d'avoir une enflure assez importante pendant quelques jours après la chirurgie. L'enflure peut persister parfois jusqu'à 6 mois et plus. Pour la réduire, surélevez la jambe et appliquez de la glace. Vous pouvez utiliser un bloc réfrigérant ou un sac de légumes congelés, mais placez toujours un linge entre la source de froid et la peau. Le chirurgien pourra vous demander de louer ou d'acheter une machine à glace pour vous aider à contrôler l'enflure après la chirurgie. Si vous vous procurez une machine à glace, apprenez à la faire fonctionner avant la chirurgie. Votre genou sera chaud au toucher. C'est une réaction de guérison normale. Il pourra le demeurer plusieurs mois. Après le remplacement d'un genou, vous sentirez un certain engourdissement sur le devant du genou qui s'étend vers le bas parce que les nerfs et la peau à cet endroit ont été coupés. L'engourdissement pourra être permanent, mais il ne vous causera pas de problème. La région engourdie pourra rétrécir au fil du temps, un processus qui peut prendre jusqu'à un an. Le muscle de la cuisse ne fonctionnera pas très bien pendant une courte période après l'intervention. Vous aurez ainsi de la difficulté à déplier le genou ou à soulever la jambe pour la mettre dans le lit. Les physiothérapeutes et les infirmières de l'hôpital vous donneront des conseils pour vous faciliter la tâche jusqu'à ce que ce muscle recommence à mieux fonctionner. Il sera important d'utiliser une aide à la marche pendant cette période pour soutenir le muscle de la cuisse parce que c'est le principal muscle qui tient le genou en place lorsque vous êtes debout. Bien des patients ont de la difficulté à dormir après la chirurgie. La situation s'améliore au fil du temps. Les deux premières semaines sont les plus éprouvantes, mais vous pourrez avoir une certaine difficulté à dormir pendant jusqu'à 3 mois. Ne prenez pas de somnifères parce qu'ils risquent de perturber votre cycle habituel de sommeil. Dormir trop longtemps le jour peut aussi vous empêcher de dormir la nuit. Une prothèse de genou est une articulation mécanique. Il est normal qu'elle émette des cliquetis de façon permanente. Le remplacement d'un genou cause beaucoup de douleur. Contrôler cette douleur vous aidera à vous rétablir et à reprendre vos activités habituelles plus rapidement. Votre équipe de soins vous demandera d'évaluer votre douleur sur une échelle de 0 à 10, le 0 représentant l'absence de douleur et le 10 la pire douleur possible. Prenez vos médicaments à l'heure prévue afin de prévenir la douleur. Si vous attendez trop longtemps avant de prendre un antidouleur, il prendra plus de temps à faire effet. Après un certain temps, vous pourrez remplacer les antidouleurs prescrits par des médicaments en vente libre comme du Tylenol. Il est essentiel de bien contrôler la douleur à l'aide de médicaments et d'autres stratégies afin d'être capable de faire les exercices et de mieux dormir. Voici des conseils pour vous aider à contrôler la douleur. Soutenez votre genou. Dans le lit, il vaut mieux placer le genou et le pied sur un oreiller pour soutenir la jambe dans la position la plus droite possible. Si vous placez l'oreiller seulement sous le genou pendant de longues périodes, vous aurez beaucoup de difficultés à le déplier complètement par la suite, et ce, même si vous faites les exercices. Vous pouvez le placer sous le genou seulement lorsque vous appliquez de la glace après avoir fait les exercices
pour vous permettre de vous détendre complètement. En position assise, placez le pied au sol en pliant le genou. Ne dépliez pas complètement le genou lorsque vous êtes assis, car vous aurez beaucoup de difficultés à atteindre votre objectif pour le pliement du genou. Appliquez régulièrement de la glace et surélevez le genou tout en le soutenant pour réduire la douleur et l'enflure. Si le chirurgien vous a recommandé de vous procurer une machine à glace, utilisez-la de la façon expliquée. Passez du lit à un fauteuil et inversement pour varier les positions et marcher ou plier et déplier régulièrement le genou sont aussi des trucs utiles pour soulager la douleur. Il est important de comprendre que la douleur est causée par la chirurgie. Elle diminuera à mesure que le genou guérit. Surélever la jambe peut aider à réduire la douleur et l'enflure, mais il faut le faire correctement. Soutenez le genou et le pied plus haut que le cœur de la façon montrée dans la photo de droite. Attention de ne pas vous asseoir en posant le pied sur un tabouret de la façon montrée dans la photo de gauche, car cela ne soulagera pas l'enflure et pourrait provoquer de la douleur au dos. Vous pouvez utiliser des oreillers, un tabouret ou un panier à linge renversé pour surélever la jambe. Plier et déplier le genou est aussi utile pour réduire l'enflure de la jambe. Vous n'avez pas de précautions à prendre après une arthroplastie du genou. Les parties de votre nouveau genou sont solidement cimentées en place. Nous vous recommandons de mettre votre poids sur le genou lorsque vous êtes debout et que vous marchez. Si vous retournez à la maison le jour de la chirurgie, un physiothérapeute vous rencontrera dans la salle de réveil. Si vous passez la nuit à l'hôpital, il vous rencontrera le lendemain matin dans votre chambre. Il vous précisera quel poids vous pourrez mettre sur la jambe touchée après l'intervention. Vous pourrez mettre autant de poids que vous pourrez le tolérer. Vous aurez besoin d'une aide à la marche parce que votre genou sera douloureux et que les muscles de la jambe auront de la difficulté à fonctionner à vos premiers pas. Vous apprendrez la bonne façon de vous asseoir dans un lit et une chaise et comment vous lever par la suite. Vous apprendrez aussi la bonne façon de marcher avec une aide à la marche et comment monter et descendre des marches. Le physiothérapeute vous expliquera aussi un programme d'exercice. Il est important de faire ces exercices chaque jour pour que votre genou fonctionne bien. L'objectif est d'accroître la souplesse du genou et d'enseigner aux muscles de la cuisse à refaire correctement son travail. Immédiatement après la chirurgie, votre genou bougera beaucoup moins qu'auparavant. Vous devrez vous exercer sans relâche pour gagner en souplesse. Le corps qui guérit forme du tissu cicatriciel. C'est un processus normal. Immédiatement après la chirurgie, le tissu cicatriciel est mou et étirable. Au fil du temps, toutefois, ce tissu devient aussi dur que du ciment et ne peut plus être étiré. C'est pourquoi vous devez commencer à faire les exercices immédiatement après la chirurgie. Vous ne risquez pas de briser votre prothèse en faisant des étirements. Toutes les parties de votre nouveau genou sont bien retenues en place par du ciment. Votre équipe de soins sera beaucoup plus préoccupée par le risque que votre genou devienne raide que par le risque de briser la prothèse de quelque manière que ce soit. Vous aurez besoin d'une aide à la marche après la chirurgie à cause de la douleur et de la faiblesse de votre jambe. Nous vous recommandons d'utiliser une marchette munie de deux petites roues à l'avant. C'est une marchette très stable que vous pouvez déplacer sur le plancher sans la soulever. Vous serez peut-être capable d'utiliser des béquilles si vous avez un bon équilibre et en avez déjà utilisé. S'il y a des marches dans votre maison, vous aurez besoin d'une canne. Le physiothérapeute vous montrera comment monter et descendre des marches à l'aide d'une canne avant votre départ de l'hôpital. Si vous pouvez en monter et en descendre actuellement et que votre autre jambe est en santé, vous serez capable d'en monter et d'en descendre après la chirurgie. Ajustez la canne de façon à ce que le haut de la poignée soit situé à la hauteur du poignet lorsque vous vous tenez debout.
Tenez la canne dans la main du côté opposé au genou opéré. Vous commencerez à marcher à l'aide d'une canne après avoir commencé une physiothérapie en clinique externe. Avant votre départ de l'hôpital, nous vous montrerons comment faire votre programme d'exercice. Vous asseoir dans un lit et une chaise et vous lever par la suite de façon autonome. Vous serez capable de marcher sur de courtes distances à l'intérieur avec une aide à la marche et vous pourrez monter et descendre des marches au besoin. Si vous utiliserez une marchette pour marcher, vous devrez prendre une canne pour monter et descendre des marches. Si vous utiliserez des béquilles pour marcher, vous les utiliserez aussi pour monter et descendre des marches. Vous pourrez quitter l'hôpital lorsque vous serez dans un état stable, habituellement 48 heures après la chirurgie au plus. Si la chirurgie a lieu au campus civique ou au campus général, vous partirez à 10 heures. La personne qui viendra vous reconduire à la maison doit apporter votre aide à la marche. Vous en aurez besoin pour vous rendre de la porte de l'hôpital à la porte du véhicule. L'hôpital de Kempville n'a pas établi d'heure fixe pour les départs. Le personnel vous précisera à quel moment vous pouvez retourner chez vous. Comme vous aurez apporté votre aide à la marche le jour de la chirurgie, vous pourrez l'utiliser pour marcher jusqu'au véhicule lors de votre départ. Si vous retournez chez vous le jour de la chirurgie aura lieu tôt le matin. Vous rencontrerez un physiothérapeute dans la salle de réveil avant de quitter l'hôpital. Une personne doit demeurer avec vous pendant de 24 à 48 heures à votre retour à la maison. Si vous habitez seul ou pensez avoir besoin de plus de soutien après une arthroplastie totale du genou, envisagez la possibilité de réserver une place dans un foyer de soins qui offre des services de convalescence pendant une ou deux semaines. Vous pourrez ainsi recevoir différents services de base, dont des repas. Les patients doivent payer pour obtenir ces services. Il existe aussi le programme de retour à domicile qui est destiné aux patients de 65 ans et plus. Il permet d'obtenir différents services de soutien à domicile pendant 10 jours après une chirurgie. Les services comprennent le transport de l'hôpital à la maison et l'aller-retour aux rendez-vous médicaux, la livraison de repas, et de l'aide pour faire des soins personnels comme se laver et des tâches quotidiennes comme le lavage. Pendant la pandémie de COVID-19, seuls les services de repas et de transport sont maintenus. Si vous avez l'âge requis, le personnel de l'hôpital enverra une demande de service au programme Retour à domicile en votre nom. Un évaluateur du programme vous appellera ensuite pour se renseigner sur vos besoins. Le programme est gratuit. Voici des directives sur la bonne façon d'entrer dans un véhicule. Reculez au maximum le siège, puis inclinez le dossier vers l'arrière. Reculez le siège jusqu'à ce que vous sentiez le siège contre l'arrière des jambes. En descendant les fesses vers le siège, allongez la jambe opérée. Assurez votre équilibre en prenant appui sur le siège et le véhicule. Glissez vers l'arrière et soulevez les deux jambes pour entrer dans le véhicule. Le véhicule ne doit pas être stationné trop près d'une bordure, par exemple de trottoir. Exercez-vous avant la chirurgie. Vous devrez suivre une physiothérapie en clinique externe après votre retour à la maison. Vous pouvez aller dans n'importe lequel hôpital en Ontario ou dans une clinique partenaire dont les services sont couverts par le régime d'assurance santé de l'Ontario. Nous vous remettrons la liste des cliniques. Choisissez l'endroit où vous souhaitez suivre la physiothérapie à l'avance pour pouvoir informer le physiothérapeute de l'hôpital. Il enverra la demande de service couvert par le régime d'assurance santé par télécopieur directement à la clinique ou à l'hôpital de votre choix. Si vous choisissez une clinique privée, vous devrez payer le coût de la physiothérapie et le réclamer ensuite à votre assureur si celui-ci couvre ce service. Nous vous remettrons alors la demande de service avant votre départ de l'hôpital.
Vous serez responsable d'obtenir un rendez-vous à la clinique privée choisie. Si le médecin ou le physiothérapeute estime que vous ne pouvez pas suivre une physiothérapie en clinique externe et devez plutôt la suivre à domicile, il peut envoyer en votre nom une demande d'évaluation de votre admissibilité à recevoir des soins à domicile. Cela arrive très rarement. Préparez-vous donc à suivre une physiothérapie en clinique externe après le remplacement de votre genou. Vous commencerez la physiothérapie entre 10 et 14 jours après la chirurgie. Au premier rendez-vous, un physiothérapeute fera une évaluation pour cerner vos besoins. Vous vous joindrez ensuite à un groupe pour faire les exercices. Le physiothérapeute vous rencontrera régulièrement pour discuter de vos progrès et répondre à vos questions, le cas échéant. Vous recevrez de l'information sur le moment où vous pourrez reprendre vos activités récréatives. Le programme d'exercice que vous faites chaque jour à la maison est la partie la plus importante du programme de physiothérapie. Vous cesserez les séances de physiothérapie lorsque vous aurez atteint les objectifs précisés dans les prochaines diapositives. La plupart des gens suivent en moyenne 2 séances de physiothérapie d'une heure par semaine pendant 3 semaines. Pendant la pandémie de COVID-19, les séances de physiothérapie peuvent avoir lieu par voie virtuelle. Nous utilisons l'expression « amplitude de mouvement » pour décrire la flexibilité du genou. Un genou en santé se plie jusqu'à 130 degrés. Une prothèse de genou ne peut pas plier autant qu'un genou en santé. L'objectif de la physiothérapie est d'amener votre genou à plier jusqu'à 110 degrés. C'est suffisant pour vous permettre de monter et de descendre des marches normalement et même de pédaler à vélo. Un genou en santé se déplie jusqu'à 0 degrés. L'objectif de la physiothérapie est d'amener le genou à déplier jusqu'à 5 degrés ou moins, si possible. Cela signifie que lorsque vous êtes allongé sur le dos dans le lit, il y aura seulement environ 2 cm entre l'arrière de votre genou et la surface du lit. Lorsque vous aurez atteint ces deux objectifs pour l'amplitude de mouvement, vous pourrez cesser la physiothérapie et poursuivre vos exercices à la maison de façon autonome. Vous aurez un rendez-vous de suivi avec l'équipe de soins chirurgicaux entre 10 et 14 jours après la chirurgie. L'équipe examinera l'incision, retirera tout agrafe et mettra un pansement. Vous devrez garder ce pansement et ne pas mouiller l'incision pendant 2 jours. Le personnel vérifiera aussi l'amplitude de mouvement de votre genou. Si vous êtes prêt d'atteindre 90 degrés, vous aurez bien progressé. Vous aurez d'autres rendez-vous de suivi avec l'équipe de soins chirurgicaux 6 semaines, 12 semaines, 6 mois et 1 an après la chirurgie. N'hésitez pas à poser des questions pendant ces rendez-vous. Ne soyez pas timide. Il n'existe pas de mauvaises questions. Notez-les dans un carnet et apportez-le à vos rendez-vous. Vous pourrez poser des questions sur le moment où vous pourrez recommencer à conduire, à travailler ou à voyager, par exemple. L'équipe d'ergothérapie a rédigé la prochaine section pour vous aider à préparer à gérer vos activités quotidiennes après la chirurgie. Vous devez réfléchir à la façon dont l'opération modifiera votre capacité de réaliser les tâches quotidiennes. De quel équipement aurez-vous besoin à la maison? Quelles tâches ne serez-vous plus capable de faire seul ou de la même manière? À qui pouvez-vous demander de l'aide? Votre genou aura besoin de soutien après la chirurgie. Asseyez-vous dans un fauteuil confortable doté d'appui-bras. Utilisez-les pour vous aider à vous lever du fauteuil. Vous aurez de la difficulté à utiliser un lit qui est bas. Si votre lit est peu élevé, envisagez de le soulever temporairement. Vous devrez acheter ou louer certains équipements avant la chirurgie pour les avoir prêts à la maison. Vous pouvez vous les procurer en consultant la liste de fournisseurs
ou par l'entremise d'un club de services communautaires ou même dans les annonces en ligne. La plupart des gens en ont besoin pendant un mois. Vous pouvez payer directement ces équipements ou recourir à une assurance privée. Vous aurez besoin d'une ordonnance du chirurgien pour obtenir le remboursement d'un assureur. Demandez-la à la visite de suivi avec votre chirurgien. Le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées couvre le coût de ces équipements si vous y êtes inscrit. Si vous croyez avoir de la difficulté à payer ces équipements, appelez la Ville d'Ottawa pour joindre le personnel du programme Soutien essentiel de santé et de services sociaux. Vous aurez de la difficulté à utiliser la toilette à cause de la douleur, de la faiblesse et de la raideur que vous sentirez dans la jambe. Vous aurez donc temporairement besoin d'un siège de toilette surélevé ou d'une chaise d'aisance. Choisissez-en un qui est muni d'appui-bras pour vous aider à vous lever de la toilette. 2 ou 3 jours après la chirurgie, vous serez capable de prendre une douche, mais vous ne devrez pas immerger le genou dans un bain, une piscine ou un spa. Vous aurez de la difficulté à entrer dans un bain ou une douche après la chirurgie. Nous vous recommandons donc d'utiliser temporairement de l'équipement pour prendre une douche en position assise. Un banc de transfert pour baignoire vous permettra de vous asseoir à l'extérieur du bain, de glisser vos jambes dans la baignoire, puis de fermer le rideau de douche afin de prendre une douche en position assise. Si vous avez une porte de douche, vous devez l'enlever et la remplacer par un rideau temporairement pendant que vous utilisez le banc de transfert. Si vous avez une douche de plein pied, vous pouvez vous procurer un tabouret de douche réglable avec des pieds antidérapants. Les articles suivants peuvent vous aider à vous habiller et à vous laver si vous ne pouvez pas atteindre vos pieds après l'opération. Pince, chausse-pied à long manche, enfile-chaussette, éponge à long manche, et lacets de chaussures élastiques. Après la chirurgie, vous ressentirez de la fatigue et n'aurez pas envie de cuisiner. Vous ne pourrez pas atteindre certaines parties de votre cuisine. Vous ne pourrez pas vous accroupir pour accéder aux armoires basses, ni grimper sur un tabouret pour accéder aux armoires hautes. Placez les objets que vous utilisez souvent dans des endroits faciles d'accès. Planifiez et congeler quelques semaines de repas avant l'opération. Envisagez de recourir à des services de livraison de repas à domicile. Vous aurez de la difficulté à réaliser les tâches ménagères lourdes, comme transporter un panier à linge pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les tâches nécessitant de s'accroupir ou de s'agenouiller ne seront pas possibles ni recommandées. Envisagez de confier ces tâches à une autre personne pendant quelques mois. Voici des tâches qui seront difficiles à réaliser. Vous pourrez avoir besoin d'aide pour les faire pendant plusieurs mois. La conduite automobile est généralement interdite pendant de 4 à 6 semaines après la chirurgie. La prise de narcotiques, la force réduite de vos jambes et les autres ordonnances du chirurgien vous empêcheront de conduire. Ne reprenez pas le volant tant que votre chirurgien ne vous en a pas donné l'autorisation. Vérifiez auprès de votre assureur automobile que vous êtes bien couvert. Tous les patients qui ont reçu une prothèse de genou peuvent utiliser le système accessible de transport public appelé Paratranspo. Vous recevrez des directives sur la façon de télécharger une demande de service à Paratranspo. Remplissez la section réservée aux patients et apportez la demande à l'hôpital. Le physiothérapeute remplira les autres sections et l'enverra par télécopieur à Paratranspo en votre nom. Il existe d'autres solutions pour vous déplacer. Amis, famille, taxi, ou conducteur bénévole du Centre de ressources communautaires de la Ville d'Ottawa.
Vous avez la responsabilité de planifier et de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir retourner chez vous en toute sécurité. Vous devez notamment vous procurer l'équipement dont vous pourriez avoir besoin pour accroître votre confort. Après le remplacement d'un genou, les patients rentrent chez eux le jour même ou après une ou deux nuits. Si vous pensez que vous ne pourrez pas le faire, appelez le physiothérapeute de notre équipe au 613-738-8400, poste 82032. Réfléchissez aussi à la possibilité de faire un court séjour en établissement de soins de convalescence. Voici quelques conseils pour créer un milieu sécuritaire dans votre domicile. Retirez tous les petits tapis car ils risquent de vous faire trébucher ou glisser. Dégagez votre espace de vie de façon à pouvoir vous déplacer de façon sécuritaire avec votre aide de marche. Si vous avez des animaux de compagnie, tenez-les hors de votre chemin. Vérifiez que les rampes des escaliers et les barreaux dans les salles de bain sont bien fixés. Avant votre départ de l'hôpital, nous vous montrerons la bonne façon de monter et de descendre des marches. Vous n'avez donc pas besoin de vous installer sur un seul étage. Mais si vous décidez de vous installer sur un seul étage, il est important d'avoir facilement accès à une salle de bain, à un lit qui vous permet de déplier complètement la jambe, à un endroit pour vous reposer et surélever la jambe, et à un endroit pour faire vos exercices. Vous devez aussi avoir accès à une sortie sécuritaire de votre demeure. Voici des exercices que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour vous préparer à la chirurgie. Faites de 5 à 10 répétitions de chaque exercice 3 fois par jour. Si la douleur ou l'enflure augmente dans le genou, cessez de faire les exercices. Exercice numéro 1. Allongez-vous sur le dos et glissez le talon vers la fesse pour plier le genou. Répétez 5 à 10 fois. Exercice numéro 2. Allongez-vous sur le dos et dépliez les jambes complètement. Pointez les orteils vers la tête, puis appuyez fermement l'arrière du genou contre le lit. Gardez la position pendant 5 secondes. Répétez de 5 à 10 fois. Exercice numéro 3. Allongez-vous sur le dos, serrez le muscle de la cuisse et dépliez le genou. Pointez les orteils vers la tête, puis soulevez la jambe du lit. Gardez l'autre genou plié pendant l'exercice. Tenez la position pendant 5 secondes. Répétez de 5 à 10 fois. Exercice numéro 4. Asseyez-vous sur une chaise ou sur le bord d'un lit. Pointez les orteils vers le haut. Serrez le muscle de la cuisse, puis dépliez le genou. Gardez la position pendant 5 secondes, puis relâchez lentement les muscles de la jambe. Répétez de 5 à 10 fois. Exercice numéro 5. Assoyez-vous bien droit sur une chaise et placez la jambe sur une autre chaise pour la soutenir. Laissez le genou pendre vers le sol entre les deux chaises pour le déplier le plus possible. Gardez la position pendant de 30 à 60 secondes. Répétez 5 fois. D'ici au jour de la chirurgie, vous pouvez appliquer de la glace ou de la chaleur au genou et surélever la jambe pour gérer la douleur. N'oubliez pas de rester actif et de continuer à bouger du mieux que vous le pouvez. Continuez votre traitement médical actuel, même s'il pourrait être modifié, au rendez-vous de préadmission. Résumons ce que nous avons vu jusqu'à présent. La guérison aura lieu en 3 phases. La première phase dure les 6 premières semaines après l'opération. Pendant cette période, prenez soin de l'incision de la façon expliquée à l'hôpital. Ne mettez pas de crème ni de lotion sur l'incision. N'exposez pas l'incision au soleil. Contrôlez l'enflure et les bleus en appliquant de la glace et en surélevant la jambe.
contrôler la douleur à l'aide des médicaments et des conseils proposés dans cette présentation. Attendez-vous à ce que votre sommeil soit perturbé. Ne prenez pas de somnifères. Souvenez-vous que la situation va s'améliorer avec le temps. Utilisez votre aide à la marche ou vos béquilles pour faciliter vos déplacements. La jambe sera faible et le genou ne pliera et ne dépliera pas complètement. Mais vous ferez votre programme d'exercice chaque jour pour améliorer votre force et votre souplesse. La deuxième phase de la guérison dure de la 6e à la 12e semaine après l'opération. Pendant cette phase, l'enflure, la chaleur et la raideur vont persister. C'est normal. Elles vont diminuer progressivement au cours d'un an. Vous contrôlerez maintenant la douleur à l'aide de médicaments en vente libre comme du Tylenol. Vous constaterez que vous gagnez en souplesse et que vous atteignez les objectifs pour l'amplitude de mouvement. Si le genou était très raide avant l'intervention, vous n'atteindrez peut-être pas complètement ses objectifs. Vous constaterez aussi que vous gagnez en force, même si vous ressentez encore une certaine faiblesse en vous levant d'une chaise ou en montant des marches. Votre force augmentera progressivement au cours de l'année. Votre mobilité et votre démarche s'amélioreront. Vous aurez plus d'endurance et vous pourrez faire davantage de choses chez vous. La troisième phase peut durer jusqu'à un an. Vous noterez une amélioration lente mais continue. Vous sentirez moins de raideur et de douleur. Vous recommencerez à travailler et à faire des activités récréatives. Vous devrez toujours mettre de la crème solaire sur la cicatrice avant de l'exposer au soleil. Il est normal de continuer de ressentir une certaine raideur dans le genou. La région à l'avant du genou pourra demeurer engourdie. La prothèse de genou ne pliera pas autant que votre autre genou. Vous pourrez ressentir un inconfort lorsque vous vous agenouillez qui sera permanent. Après avoir regardé cette présentation, vous devriez faire un plan pour le retour à votre domicile et vos déplacements à vos rendez-vous médicaux. Vous devriez réfléchir à la façon dont vous obtiendrez vos repas. Vous devriez commencer à réfléchir à l'équipement dont vous aurez besoin et à la manière de l'obtenir. Vous devez décider de l'endroit où vous suivrez la physiothérapie après votre retour à la maison. Demanderez-vous à quelqu'un de vous aider à faire vos tâches ménagères et allez-vous changer l'aménagement de votre maison? Envisagez-vous de recevoir des soins de convalescence en établissement? Nous savons que les patients peuvent vivre des moments difficiles pendant cette période, mais nous voulons que vous sachiez que le personnel et les médecins de l'hôpital d'Ottawa sont là pour vous. Nous avons à cœur de vous offrir des soins empreints d'une compassion digne des personnes qui nous sont chères. Nous vous remercions d'avoir regardé la présentation sur le remplacement d'un genou de l'hôpital d'Ottawa.